Bonjour. Bonjour à tous. Connectez-vous davantage. Vous allez m'excuser, j'ai ma voix qui est un peu rouillée là depuis hier. Depuis hier soir, je suis grippé. Je suis grippé et j'ai aussi quelques maux de tête. Il fait extrêmement chaud à Libreville depuis un certain temps. Je ne sais pas si c'est ce mélange de soleil et de chaleur qui me cause, qui m'a causé un peu cette grippe-là. Donc, bonjour, merci, merci à tous. Merci de me suivre. Je voulais qu'on réponde à cette interrogation. Parce que j'entends souvent des gens dire que la France ne soutient pas Jinping. La France soutient Ali Bongo. La France ne soutient pas Jinping. La France soutient Ali Bongo. Je ne sais pas si vous avez des preuves palpables qui montrent que la France soutient Ali Bongo. Ou bien si vous avez des preuves palpables qui démontrent que la France ne soutient pas Jinping. Parce que moi je connais là où certaines personnes veulent en venir. Vous savez, tout le monde au Gabon aujourd'hui, les gens sont arrivés à un stade de cruauté, un stade de violence, un stade de méchanceté. Je sais que beaucoup de gens veulent arriver à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils veulent voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils veulent que ils veulent que ça se passe ici. Mais vous savez une chose, c'est que généralement, quand la guerre commence, on connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand elle finit. On connaît quand elle commence, mais on ne connaît pas quand elle finit. Vous pouvez décider de commencer une guerre en disant, bon, ben, nous on la commence, elle va peut-être finir dans un mois ou 2 mois. Et puis elle vous prend 10 ans, 15 ans, comme en Côte d'Ivoire, comme en Côte d'Ivoire, comme en Syrie. Elle vous prend comme en Côte d'Ivoire, comme en Syrie. Je sais que beaucoup rêvent de ça. Voilà pourquoi certains disent, oh oui, la France ne soutient pas Jinping, mais la France soutient Ali Bongo. Vous n'avez pas de preuve que la France soutient Ali Bongo. Et vous n'avez pas non plus de preuve que la France a lâché Jinping ou bien la France ne soutient pas Jinping. Vous savez, quand la France soutient un chef d'État africain, c'est visible. En l'espace d'un an, Macky Sall a été reçu en France de manière officielle à 3 reprises. Comment s'appelle l'autre? Ouattara. En l'espace d'un an, il a été reçu en France par Macron de manière officielle à 3 reprises. Il n'y a pas de. En diplomatie entre État et État, il n'y a pas de cache-cache. Il n'y a pas de cache-cache. Il n'y a pas de cache-cache. C'est du visible. C'est du visible. On n'a pas à faire des cache-cache. Aujourd'hui, les chefs d'État africains, principalement de l'Afrique centrale, ont maille à partir avec la France. Parce que c'est la partie du continent et la plus francophone qui donne des maux de tête, qui donne des maux de tête à la France, qui donne des maux de tête à la France.
Parce que non seulement c'est la partie du continent la plus riche, mais la partie la plus arriérée, et là où il n'y a même pas un brin de démocratie. Vous avez vu, hier, il a reçu qui, Kagame, et pourtant nous, Kagame, pour nous ici en Afrique centrale, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, mais il développe son pays. Il est en train de développer son pays de manière importante. Et là, j'apprends que Macron est invité au Rwanda. Après, il ira en Angola. Mais vous voyez qu'il il est en train d'esquiver, il esquive les pays d'Afrique francophone. Il esquive les pays d'Afrique francophone. Il préfère aller traiter avec d'autres personnes. Donc, pour ceux qui disent que la France ne soutient pas Jinping, mais la France ne soutient pas Ali non plus. Ce n'est pas parce qu'il y a l'ambassadeur français qui est ici. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres machins qui sont ici que vous pensez que la France se soutient. Quand la France soutient un chef d'État, ça se voit. Ça se voit et ça se... Voilà le pays qui est au sous-sol aujourd'hui. Il y a encore combien d'entreprises françaises qui travaillent, en dehors de celles qui pompent le pétrole. Mais n'importe qui pompe le pétrole ici, même les Américains pompent le pétrole, même les Chinois pompent le pétrole. Non, mais Jean-François, arrête de raconter n'importe quoi. Il a reçu au sommet One Planet. C'est un sommet de l'ONU où tout le monde avait été invité. Il n'a pas été invité de manière officielle. Kagame a été invité de manière officielle hier. Arrête de raconter des histoires. Tu vis quand même en France. Tu n'es pas au village ici. Tu n'es pas au village. Hein? Il faut arrêter ça. Si tu vis en France, c'est comme ça qu'on reçoit un chef d'État de manière officielle. De manière clandestine à un sommet, c'est ça, c'est ce que j'appelle recevoir. Arrête ça, soyons sérieux. Hein? Quand Macky Sall est reçu en France, c'est officiel. Nous le voyons de manière officielle. Il ne suffit pas de faire une photo pour qu'on dise que voilà, ça a été une réception officielle. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas se comporter comme les petits-enfants qui habitent au village. On montre une photo où Macron se trouve, il croit effectivement. Toi, tu es en France. Tu es quand même dans un pays éclairé. Et tu es quand même quelqu'un d'un certain âge. C'est ça, être reçu en France. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. En diplomatie, c'est ça, être reçu en France. Voilà Kagame qui a été reçu hier en France. Voilà Kagame. On l'a vu de manière officielle. Le drapeau de son pays, le drapeau de la France, les deux en train de répondre à la presse. Voilà une réception officielle. C'est pas des trucs où vous arrivez dans un sommet des donateurs et puis on fait la photo. C'est tout à fait normal. C'est lui qui accueille les gens. Il fait des photos avec des gens qui arrivent. C'est pas ça, être reçu de manière officielle. Hein? Vous ne voyez pas que Paul Biya, depuis là, il n'est pas reçu officiellement l'autre du Congo, là. N'est pas reçu officiellement. L'autre du Tchad n'est pas reçu officiellement. Vous voyez pas qu'il y a un problème? L'Afrique centrale a un problème, et principalement l'Afrique francophone, de l'Afrique centrale. Aucun d'eux n'est reçu officiellement. Donc arrêtez de dire que voilà, la France ne soutient pas. Je sais que beaucoup veulent voir la violence, veulent que, comme Sarkozy a fait, comment ça s'appelle, Gbagbo ou bien Kadhafi, c'est ce que vous voulez que Macron s'y fasse. On n'a pas besoin, c'est nous qui avons élu Jinping. C'est nous qui devons dégager Ali. C'est nous qui devons dégager Ali. Ne vous attendez pas qu'un missile. Parce que je vois des gens, oui, la France ne soutient pas. La France, là, en quoi vous pouvez nous démontrer que la France soutient Ali? Quoi? Parce qu'il a une femme blanche? Parce que vous pensez que c'est un critère d'acceptation, parce qu'il a une femme blanche. Donc la France soutient Ali. La France ne soutient pas. Vous avez vu, il y a des Français ici, dans ce pays. Vous avez vu dans quelle situation se trouve l'économie de ces Français. Vous avez vu dans quelle situation se trouve le pays. Quand Macron, quand la France obtient la construction du train, comment on appelle ça, du métro. La France obtient la construction du métro.
plus de 1 400 milliards de francs CFA de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous donnez ici? Même un marché, voilà Colas qui est là, qui est trim. Vous n'arrivez même pas à payer Colas pour construire 5 km de route. Voilà, je ne sais pas l'entreprise qui construisait le stade là. Comment on appelait ça, Entraco? Vous donnez quoi à la France? Vous pensez que le pétrole, parce que la France prend le pétrole, mais la France prend le pétrole partout. Même aux États-Unis, la France prend le pétrole. Est-ce que c'est une question de... C'est une question que Ali Bongo n'est pas soutenu par la France. Il faut le reconnaître. Donc arrêtez de nous dire, oh oui, il est soutenu. Il n'est pas soutenu. Les Français sont dessus. Ils sont dessus. Il assure les affaires courantes. Voilà le mot. Il est là parce qu'il assure les affaires courantes. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et il va partir. Il va partir, il force pour rien. Il fait croire aux gens que oui, ça va, je maîtrise la situation, le pays va avancer, machin. Mais... Parce que la situation que le Gabon vit ne ressemble pas à la situation d'un pays riche. Ne ressemble pas à la situation d'un pays riche. Le Gabon vit des situations des pays qui sont en guerre. Pour un pays riche, hein, nous vivons des situations des pays qui sont en guerre, où les gens ont du mal à aller à l'école, les gens ont du mal à aller au travail, il n'y a pas de transport, il n'y a rien, il y a des coupures de courant à tout moment. Donc arrêtez de penser que la France soutient Ali. La France ne le soutient pas. On soutient quelqu'un quand on le voit de manière officielle. C'est pas les diplomaties nocturnes. La diplomatie nocturne ne sert à rien. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère de l'information. Il n'y a pas à cacher. Quand quelque chose se fait, elle doit être visible. La diplomatie doit être visible. C'est la diplomatie mafieuse qui est celle qui fait dans le noir. Mais Macron ne fait pas la diplomatie. Vous avez vu, pourtant, nous au Gabon, ici ou en Afrique centrale, on considère Kagame comme un mercenaire, comme un sanguinaire, comme un dictateur. Mais c'est un bosseur. Mais il a été reçu en France de manière officielle. On a vu les images. Mais qu'est-ce qui l'empêchera aussi de recevoir? Pourquoi jusque-là, il ne reçoit pas Ali Bongo de manière officielle? Pourquoi ils ne reçoivent pas Sassou Nguesso de manière, ou bien Joseph Kabila de manière officielle? Mais parce que justement l'Afrique centrale, c'est une partie du continent en problème pour la France. C'est une partie du continent à problème pour eux. Mais qu'ils reçoivent, pourquoi ils ne reçoivent pas Ali de manière officielle? S'ils reçoivent Ali de manière officielle, nous on va lui faire quoi? Nous qui sommes ici, on va juste voir. Mais pourquoi il ne reçoit pas Ali de manière officielle? Vous qui dites, oh oui, la France ne soutient pas Jean-Ping, l'Union Européenne ne soutient pas Jean-Ping, la France soutient Ali. Mais en quoi la France soutient Ali? Quand la France soutient quelqu'un, ça se voit. Vous avez vu, il contourne l'Afrique centrale. Il préfère aller, là il va aller au Rwanda, bon c'est vrai que c'est l'Afrique centrale, mais ils sont dans d'autres logiques. Là il va aller au Rwanda, ensuite il ira en Angola, après il remonte, il esquive l'Afrique centrale, parce que c'est les gens qui sont là, c'est des gens en problème. Des gens qui n'ont pas été élus, les gens qui ont massacré leur peuple, les gens qui mettent leur peuple en prison, les gens qui affament leur, malgré les richesses, ils affament leur peuple. Non, je ne suis pas empêtré dans des considérations archaïques. La diplomatie que tu racontes là, ça ne marche pas. Moi, je travaille avec un diplomate. Il n'y a pas de cache-cache dans ce que tu veux dire là. Le Gabon n'a pas à faire la diplomatie cache-cache
avec la France. Il n'y a pas de diplomatie cache-cache. Il ne faut pas nous mentir là-dessus. Ali n'a jamais été reçu de manière officielle. Nous voulons voir une réception officielle. Je te parlais hier, je te parlais tout à l'heure de Kagame. Kagame est considéré en Afrique comme un sanguinaire, comme un dictateur. Mais il a été reçu de manière officielle. On ne veut pas les diplomaties du noir, des intermédiaires. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une diplomatie visible. Macky Sall a déjà été reçu 3 fois par Macron depuis qu'il est président de la République. Ouattara, la même chose. Macron est venu à Ouagadougou. Nous avons vu. Il est allé au Mali. Nous avons vu. Mais pourquoi il ne vient pas ici? Pourquoi il ne reçoit pas nos gens de manière officielle? Il faut qu'il les reçoive de manière officielle, comme ça. Nous, on saura que, oui, ils ont été reçus de manière officielle. La diplomatie cache-cache, c'est pour mystifier les gens, pour faire croire aux gens, pour vouloir impressionner les gens. Ça n'existe pas. Cette diplomatie n'existe pas. La seule diplomatie cache-cache, c'est celle là où il y a des conflits. Là où il y a des grands conflits, des conflits de guerre, ça c'est une diplomatie qui peut se faire. Au Gabon, il n'y a pas un conflit de guerre, en dehors du fait qu'il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres. Donc, arrêtez de raconter des histoires. La France ne soutient pas Ali Bongo. Elle ne la soutient pas. Parce que si la France soutenait Ali Bongo, on devrait déjà voir des signes. On devrait sérieusement voir des signes. La plupart, à l'époque de Bongo Père, tous les chefs d'État défilaient ici. Qui n'est pas venu ici? Chirac est venu ici. Mitterrand est venu ici. Machin est venu ici. Il y a qu'Hollande qui n'est pas venu. Hollande n'a pas mis les pieds ici. Sarkozy avait mis les pieds ici. Mais qu'est-ce qui coûte à Macron de mettre les pieds ici? Hollande n'est pas venu. Macron, jusque-là, n'est pas venu. Et Macron ne l'a pas reçu de manière officielle. Jean-François, je dis, tu es en France, il faut ouvrir les yeux. Ne raisonne pas comme nous qui sommes ici au village, parce que je considère qu'on est au Gabon, on est au village. Toi, tu es en France. Il ne faut pas avoir le langage de quelqu'un qui est en France, de quelqu'un qui vit dans un pays développé, mais qui a une vision villageoise. Excuse-moi du terme, ce n'est pas une façon de t'offenser, mais j'estime qu'il faut être assez... logique dans ce que tu veux dire. La France ne soutient pas Ali Bongo. Point barre. Si la France soutenait Ali Bongo, c'est pas le fait parce que quoi, vous voulez quoi? Que l'armée française qui est là le dégage, l'armée française n'est pas là pour le dégager. C'est nous qui devons le dégager. C'est à cause de ça que tu rêves les législatives parce que tu penses que c'est les législatives qui vont le faire dégager. C'est pas les législatives qui vont le faire dégager. Ce n'est pas les législatives qui vont le faire dégager, justement. Les gens qui pensent que oui, il faut aller à l'Assemblée, mais vous allez aboyer à l'Assemblée. Il peut ne pas, déjà que les débats à l'Assemblée ne sont même plus télévisés. Qui va vous suivre? Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont vous filmer à l'Assemblée. Donc, vous pouvez même aboyer là-bas à l'Assemblée. Qui va vous suivre? Qui saura même que la loi qui a été écrite là ou bien machin, c'est tel député de tel canton qui a écrit cette loi-là? Déjà qu'ici, les lois ne portent même pas les noms des gens. Donc il faut arrêter ça. La France ne le soutient pas. La France ne le soutient pas. La France soutient le peuple gabonais. Maintenant, c'est à nous-mêmes. On nous a donné un style de vie ici. Il faut résister. Vous résistez à ce pouvoir tombera. Ce pouvoir tombera. Mais comme les gens ne peuvent pas résister, les gens ont peur de résister, les gens, voilà pourquoi les gens sont en train, ils pensent que ça en allant à l'Assemblée nationale. Vous pensez que quelle opposition vous allez faire en Assemblée nationale? Vous allez faire quelle opposition à l'Assemblée nationale? Quelle opposition vous allez faire à l'Assemblée nationale? Vous n'allez faire aucune opposition à l'Assemblée nationale. Ils sont libres de retransmettre vos débats comme ils sont libres de ne pas les retransmettre. Vous allez faire, vous partez à l'Assemblée nationale, vous voulez juste avoir du pognon. À s'asseoir, continuer à manger, continuer à voir comment les Gabonais pleurent, continuer à voir comment les Gabonais sont en prison. C'est tout. La France ne le soutient pas. Nous avons des preuves palpables, la France ne le soutient pas. Mais
Il est assis, il assure les affaires courantes. Regardez, regardez celui qu'on envoie aller représenter le Gabon au MEDEF. À l'époque de Mabongo, on pouvait envoyer quelqu'un comme ça aller représenter le Gabon au MEDEF. Mais vous aussi, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pas vous-même qui êtes là-bas. Toi-même, François, tu n'es pas en France. Et tu penses que ça, c'est quelqu'un sérieux qu'on peut envoyer. Le MEDEF, c'est pas une bande de yo-yo. Mais toutes les grandes entreprises de France sont dans le MEDEF. Et puis c'est quand même comme ça que vous envoyez au MEDEF. Est-ce que... Attends, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas envoyer le Premier ministre au MEDEF, vous ne pouvez pas envoyer le directeur de cabinet lui-même, le pape. Regardez celui qui l'envoie au MEDEF. Et c'est ça, et vous appelez ça, la France soutient, la France ne soutient rien. L'Afrique centrale est une difficulté pour la France. Avec toute la clique des dictateurs. Mais la France ne soutient pas ces dictateurs-là. Vous pensez, quand les gens disent, oh oui, la France soutient, mais attends, vous voyez quelqu'un comme Macron, qui est un jeune, qui vient à peine d'avoir 40 ans. Et vous pensez que il serait content de s'afficher avec un chef d'État qui a massacré son peuple, alors que lui n'a jamais tué même un moustique. Au nom de quoi? Au nom des intérêts, de l'argent, de la France. Parce qu'on vous a dit que la France est un pays pauvre. Il y a des gens qui sont en France. Il y a même des Gabonais qui vivent en France qui ne sont pas salariés. Mais qui perçoivent de l'argent. Mais nous sommes une faible petite population ici. On est incapable d'avoir ça. Donc vous pensez que les allocations que les Gabonais, que les étrangers autres touchent en France, ça vient du Gabon? Il faut arrêter ça. Vous voyez Macron s'afficher avec des chefs d'État qui massacrent leur peuple au nom des intérêts de quoi? Du pétrole. Parce que vous pensez qu'il n'y a qu'au Gabon que la France prend le pétrole. La France prend le pétrole en Angola. La France prend le pétrole au Nigeria. Même en Libye, là où il y a la guerre, la France prend le pétrole. Même aux États-Unis, à Houston, allez-y à Houston, on vous dira qu'il y a des compagnies françaises qui prennent le pétrole là-bas. En Irak, partout. Donc, ce n'est pas parce que la France prend le pétrole au Gabon que vous pensez que la France maintient Ali Bongo ou bien supporte Ali Bongo. Donc, il faut arrêter ça. La France attend que le Gabonais lui-même bouge. C'est nous-mêmes qui devons bouger. Et on a commencé un combat, la résistance. On a demandé aux Gabonais de résister. On a demandé aux Gabonais de résister jusqu'à ce que ce pouvoir-là sentira que là, je ne peux plus avec ces gars-là. Cette résistance-là est tellement forte, eux-mêmes, ils vont partir. Et moi, je peux vous dire qu'Ali va partir. Mais je ne peux pas vous donner le jour. Parce que le jour appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas attendre. Il y a beaucoup qui spéculent. Oh oui, mais on va même l'enlever. Comment il est déjà assis? Mais vous aussi, vous n'allez pas réfléchir à la place des gens. Vous n'allez pas réfléchir à la place. Comprenez seulement une chose, c'est qu'il va partir. Maintenant, comment il va partir? Ça, ce n'est plus à mon niveau. Parce que je ne sais pas sur Facebook que je viens de vous dire que bon voilà, on va l'enlever comme ça, machin. Lui, il sait qu'il va partir. Le pays, nous vivons une crise institutionnelle aujourd'hui. Je voulais parler aussi un peu à Serge Ibangou, qui s'agite depuis un certain temps. Depuis que Moukani est rentré au gouvernement. J'ai l'impression que c'est devenu une victoire pour lui parce que Serge avait disparu quand Manfredi avait perdu son poste.
il était devenu tout malheureux. Parce que Manf dit c'était leur sponsor. C'était leur sponsor. Et quand ils ont vu que là, Manf a perdu ce poste, ils ont mis les mains sur la tête. Et depuis un temps, il s'agite parce que Moukani est parti au gouvernement. Mais, mon cher ami, tu sais que Moukani fera combien de jours au gouvernement? Attention, le Gabon est en crise, hein? Nous sommes en crise institutionnelle. Ce pays est en crise. Donc, tu ne connais pas, ne présage de rien, tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver du jour au lendemain. Le pays n'est pas stabilisé, le pays n'est pas normalisé. Toutes les institutions du Gabon sont anticonstitutionnelles aujourd'hui. En dehors peut-être du Sénat dont le mandat est en train de s'achever. Donc ne dites pas que, ne croyez pas que oui, ils sont allés, ils vont aller faire machin, je te vois, tu es très agité, tu attaques Jean-Ping, tu nous attaques, tu m'importunes, mais moi ça ne me dit rien, cher compatriote. Tu ne te moques pas de moi, tu ne te moques pas de Jean-Ping, tu te moques de ceux qui ont perdu leur vie. De nos compatriotes qui ont perdu leur vie, tu te moques de ceux qui sont en prison, tu te moques de tous ceux qui ont voté pour le changement et qui pleurent dans nos villages, à travers le Gabon, qui meurent de fièvre. Ce sont ces gens-là dont tu te moques. Parce que Moukaï, lui, n'est pas parti pour le peuple gabonais, il est parti pour son ventre. Moi, je l'ai compris, il avait perdu son emploi, il ne pouvait plus tenir. Et puis, on l'appelle, il a rejeté une fois. Bon, là on l'appelle, il est obligé de partir. S'il ne peut pas vous dire la vérité, voilà la vérité. Maintenant, si quelqu'un vous dit, oh, je suis parti parce que j'ai été appelé pour le... Non, tu n'as pas été appelé pour le Gabon. Parce que tu ne changeras pas la situation du Gabon. C'est une situation que nous vivons depuis 50 ans. Tu ne changeras pas la situation du Gabon. Tu es parti pour ton ventre. Donc, Serge Dibangoussi, tu te réjouis. Tu te réjouis que Moukani soit parti au gouvernement. Mais ça devrait plutôt te faire pleurer. Parce que il vient de bousiller sa carrière politique. Il vient de bousiller. Moi, je te prends un exemple. Si le gouvernement là est dégagé la semaine prochaine, tu penses que Moukani, il ira dans quel groupe? Il ne viendra plus chez nous? Il n'ira plus retrouver les autres. Il n'ira même plus dans le groupe de Naïla. Mais il restera l'ombre de lui-même. Il restera l'ombre de lui-même. Donc, dites à Serge Ibangou de calmer ses ardeurs. Nous, on se bat pour le pays. Je vous dis constamment, je vous le dis tout le temps, Jean-Ping n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Jean-Ping est beaucoup plus vers la fin. C'est nous qui sommes au milieu ou au début. C'est nous qui avons des problèmes. Lui n'a pas de problème. Sa famille n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Et quand vous voyez quelqu'un comme ça qui se donne en sacrifice, pour libérer ce pays. Il met son argent, son énergie, son matériel, sa logistique, ses relations. Parce que les gens qui parlent de carnet d'adresse, oh, machin, vous voulez quoi? Que Jean-Ping vous exhibe quoi? Le carnet d'adresse des mercenaires, c'est ce que vous voulez? Mais Jean-Ping n'est pas un bandit pour avoir les adresses des mercenaires. Il n'est pas un bandit pour avoir. Si il a un carnet d'adresse, mais vous verrez. Il a un carnet d'adresse, ce sont des gens sérieux, des chefs d'État, des gens qui occupent des grandes fonctions dans les organisations internationales. Voilà son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse, ce n'est pas d'avoir les numéros de téléphone des mercenaires. Je sais que c'est ce type d'adresse-là que vous voulez. Hein, mon grand frère Ndong est là. C'est ce que tu veux. Quand on te dise que oui, Jean-Ping a l'adresse de Bob Denard
ou bien, je ne sais pas, les autres là, les autres mercenaires là, c'est ce que vous voulez pour venir dégager, comme je vois ton frère qui traitait Jean Ping de. Voilà, il avait promis le plan B, machin et tout. Mais depuis 2 ans, pourquoi le pays ne décolle pas? Ce pays devrait décoller depuis 2 ans. Mais les caisses de l'État ne sont pas entre les mains de Jean Ping ou bien sous les pieds de Jean Ping. C'est lui qui a toutes les caisses de l'État. C'est lui qui a tout. Tout l'argent du pétrole qui est vendu rentre dans ses poches, rentre dans ses caisses. L'argent du manganèse, du bois, tout ça, ça rentre. Pourquoi maintenant le pays ne décolle pas? Pourquoi le pays ne décolle pas? L'argent du pétrole, on ne sait pas au charbonnage qu'on dépose ça. L'argent du bois, c'est pas au charbonnage qu'on dépose ça. Normalement, on devrait voir des routes en étage. C'est lui qui a tout le pognon, c'est lui qui a toutes les institutions, c'est lui qui a toutes les armées. Toutes les armées sont à lui. Les milices, à lui. Maintenant, pourquoi on ne décolle pas? Les génies militaires et autres, toutes les entreprises là sont à eux. Pourquoi on ne décolle pas? Mon grand frère, voilà des questions que tu devrais poser. Tu devrais poser à Ali. Tu as tout ça. Pourquoi on ne décolle plus? Parce que nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça au charbonnage. On ne verse pas l'argent du pétrole au charbonnage. Ou bien l'argent du bois. C'est lui que vous devrez demander ça. On fait comment? Le pétrole, l'argent du pétrole, c'est vous qui recevez l'argent du pétrole tous les jours. C'est vous qui connaissez le nombre de barils qui se vendent, le nombre de mètres cubes de bois, le nombre de tonnes de manganèse. Vous connaissez, l'argent rentre chez vous. Maintenant, pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi vous ne construisez pas les routes, les hôpitaux, les écoles et tout ça là? Mais vous êtes là. Oh oui, il est soutenu par la France. Vous pensez que la France est contente de voir le Gabon dans cette situation? Alors que quand la France se balade dans des colonies anglophones, des petites colonies anglophones qui sont en Afrique, la France voit comment ces petites colonies-là sont en train de décoller. Mais pourquoi les Français respectent les Africains du Nord? Mais parce que les Africains du Nord ont le regard vers la France. Ils se battent. Ils veulent que leur pays devienne un peu, même si la pauvreté là-bas, mais devienne un peu comme certaines villes de France. Voilà pourquoi vous verrez Macron aller au Maroc, aller en Algérie, aller en Tunisie. Mais il viendra faire quoi ici? Il n'y a rien ici, vous ne décollez pas ici. Il ne suffit pas de dire que oui, il est soutenu par la France. Il est soutenu par la France dans quoi? Dans la médiocrité. La France n'est pas une médiocrité. Pour supporter une médiocrité. Remarquez bien que le gars, il est en train d'aller dans les pays où, des pays où il y a quand même, il y a quand même de l'évolution. Et il tourne le dos aux pays qui sont riches, mais qui ne veulent pas évoluer. Donc, si quelques hommes d'affaires français ont des affinités avec, mais ça ne veut pas dire que c'est la France qui a des affinités avec. Donc, il faut savoir poser votre problème. La France ne soutient pas Ali Bongo. Il est là, il assure les affaires quand. Le Gabon a son président élu. C'est écrit et c'est reconnu par l'Union européenne. Et cette Union européenne qui était il y a bientôt 2 semaines chez le président élu Jean Ping. Donc voilà mon message du jour. Arrêtez de raconter des histoires. La France ne le soutient pas. La France ne peut pas soutenir quelqu'un qui est en train de tuer son pays. Quelqu'un qui est incapable de construire une école. Vous pensez que c'est la France qui lui dit de ne pas construire les écoles? Donc la France va lancer les travaux de la construction du tramway au Sénégal, va lancer les travaux de la construction du métro à Abidjan. Elle soutient les gens qui bossent. Et elle soutient les gens qui ne bossent pas aussi pour leur pays.
Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La France ne soutient pas les fainéants. Vous-même, vous voyez, vous-même, vous vivez chez eux, vous voyez comment ils transforment chez eux. Ne soutient pas les fainéants, ne soutient pas les incapables. La France soutient les gens qui bossent. Tu peux être un sanguinaire, comme il a reçu Kagame, mais quand tu es un bosseur, la France reconnaît que oui, ce monsieur, il peut être un sanguinaire, mais au moins, il développe chez lui. Tu ne peux pas être un sanguinaire. Tu ne peux pas être un sanguinaire et en plus tu es incapable de même de construire une école chez toi. C'est impossible. Et puis là, tu penses que la France va te soutenir parce que tu fais quoi? À cause du pétrole? Mais la France prend le pétrole partout. Donc c'était mon message. Arrêtez de dire que la France ne soutient pas. Quand on soutient quelqu'un, regardez la Côte d'Ivoire. Dans 2 ans, ils vont avoir le métro. Regardez le Maroc. Voilà des pays qu'on sait que la France soutient. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, en termes de développement. Et en Afrique de l'Ouest, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui sont en sérieuse compétition. Et le Burkina essaie de suivre derrière avec le Mali. Voilà des pays qu'on sait que la France soutient. Même s'il y a le terrorisme, bon. Mais on sait que la France soutient ces pays-là. La France veut que ces pays-là aillent. Mais ici en Afrique centrale, la France soutient qui? Sassou Elaï n'a jamais été reçu officiellement par Macron. Biya n'a jamais été reçu officiellement par Macron. Celui de la Guinée équatoriale n'a jamais été reçu de manière officielle. Celui du Tchad n'a jamais été reçu de manière officielle. Comment vous pouvez appeler? Celui du Gabon, ce n'est même pas la peine. Mais c'est pas ça, soutenir quelqu'un. La diplomatie est visible. La diplomatie n'est pas invisible. Si à l'époque de Chirac, ce que la diaspora fait en France là, à l'époque de Chirac, Omar Bongo, ça ne se ferait jamais. Chirac aurait déjà éteint la diaspora. D'abord, les Pierre Mamboudou et autres, ils ont été chassés. Ils avaient été chassés de France, non? À l'époque de Mitterrand, je crois. Chassé de France, on l'a exilé au Sénégal et tout ça. Mais c'était par rapport à quoi? Mais parce que la France soutenait Omar Bongo à l'époque. Quand la France te soutient, ça se voit et ça se sent. Sinon, la diaspora ne ferait pas tout ce qu'elle fait. Elle ne ferait pas tout ce qu'elle fait en France. Il y a des choses que la diaspora fait, il y a des choses qu'ils font qui ne sont pas visibles, que tout le monde ne connaît pas. Qui savait que la diaspora avait saisi le Conseil d'État? Vous avez eu vent de ça après, quand c'est sorti dans le Canard Enchaîné et autres. Mais quand ils ont décidé d'aller faire ça, est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ne l'ont pas dit, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'ils font. Il y a beaucoup de réseaux sur lesquels ils rentrent, beaucoup de cercles ils rentrent. Mais ils ne le disent pas. Bon, on vous montre ce qui est montrable, mais il y a ce qu'on ne peut pas vous montrer. Vous pensez qu'à l'époque de Chirac, ou bien à l'époque de Sarkozy, la diaspora pouvait faire ça comme ils font là à Libongo, comme ils font en France, hein? Mais on les aurait déjà tous mis dans l'avion, et puis on les envoie ici. Dit bon, allez-y faire ça. D'abord, vous avez entendu Sarkozy, quand les Gabonais sont allés perturber sa campagne, il a dit quoi? Il leur a dit qu'allez-y faire ça au Gabon. C'est la preuve que s'il était président de la République, en pleine campagne, les Gabonais arrivent en pleine campagne, il leur a même dit, bon, écoutez, arrêtez-moi ces gars-là, vous les renvoyez au Gabon. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. La France ne le soutient pas. Quand la France soutient quelqu'un, c'est visible. La France soutient la Côte d'Ivoire, soutient Ouattara, c'est visible.